Est-ce qu'il a un droit d'uriner debout? Normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha plutôt, il dit que si je trouve, si je tente quelqu'un qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait uriner debout, alors pas que ce n'est pas quoi. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait uriner assisé. Mais il y a l'autre hadith qui trouve dans Bukhari, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été à subata ta qawmin, fabata qa'iman. Fabala qa'iman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive dans l'endroit et donc là il finit uriner debout. Ça hadith ça trouve dans Bukhari. Alors donc comment nous capables dire comprendre ça du hadith, c'est que Aïcha radiallahu anha peut montrer nous qui dans la case quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut uriner assisé. Par contre quand il est en voyage, il peut uriner parfois en debout. Alors ban ulama fin explique ça hadith là bien, ça dit hadith normalement principe sunnah c'est uriner assisé, mais occasionnellement quand il y a une raison valable nous capable de bouter, s'il y a une raison valable surtout par exemple sa place sale sale moi pas capable assiser là là moi uriner debout pas aucun problème, ou bien si moi connais que si moi pas assiser urine là pour plus saute le moment moi plus là moi plutôt moi debouter pour moi capable veut dire évite ça urine là saute le moment pas aucun problème. Ça c'est le plus juste, c'est que les meilleurs qui nous urinent. Normalement, nous devons uriner assisé, mais parfois pour une raison valable, nous sommes capables de bouter, nous uriner, puis aucun problème.